Bonjour à tous, c'est Oracle 90, on se retrouve pour la suite de Pokémon Soul Silver en Venom Hardcore. J'espère que vous allez bien, moi ça va plutôt bien, hein. Donc dans l'épisode, enfin, je dois vous dire un truc, en fait dans l'épisode précédent j'ai oublié de sauvegarder. Du coup en off j'ai dû rattraper tout ça et au lieu d'avoir capturé Stal Gamin, on a capturé un Enopio. Hein, du juste ici, attendez. Dans le déplacer Pokémon. Il est ici. Ouais, attends. Quand même regarder un petit peu comme, ce qu'il a dans le ventre. Ça a été un Pokémon de type électrique. Bombe, œuf, baston. Ouais, bon. C'est pas non plus ouf ici, mais bon. Mais quand il va évoluer, tous ses stats vont changer. Bon, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Moi, ça va plutôt bien. Donc là, on est à Doublonville. Alors, oh putain. Désolé, il y a mes chiens. Le champion de cette arène s'appelle Blanche. Elle vient de partir à tout à l'heure en criant un coupon de radio. J'en veux un. Bah, écoutez, hein, on va aller directement aux stations de radio. Alors, toi, tu me laisses passer. C'est ici la tour radio. Tu veux quoi toi, dégage. Ouais, donc c'était un membre de la team Rocket. Hein. Ah bah elle est là, Blanche. Blanche, oui, c'est Blanche. J'ai entendu dire qu'ils organisaient un quiz et je suis venu tenter ma chance moi aussi. Mais la vache, c'est trop dur leur quiz. Bah attendez, on va essayer de faire un sans faute. Voulez-vous vous mesurer au jeu du moment? Donnez 5 bonnes réponses à notre quiz pour emporter un coupon radio. Glissez-le dans votre Pokématos pour nous écouter où et quand vous voulez. Ouais, donc là c'est... Peut-on consulter la carte depuis votre Pokématos? Oui. Donc là c'est une nouveauté hein, dans cette version. Enfin, dans le jeu Pokémon, hein, on peut écouter la radio désormais depuis Pokémon Or et Pokémon Argent. Les Pokémon Nidorina sont-ils tous femelles? Oui. Bonne réponse, troisième question. Fagas, le fabricant de Pokéball, utilise-t-il des Noigroom? Non, merde! C'est Noigroom! Oh là là! Alors, hop. Matos, ouais. Tous femelles. Ce sont des nagrumes, hein, pas des nagrumes. Alors, quatrième question. Est-il impossible d'utiliser une CT sur un Pokémon? Ouais, c'est impossible. Allez, hop. Lewis peut maintenant écouter la radio sur son Matos. À moi, tu te déchires, toi. J'étais allé jusqu'à la troisième question. Je pensais pas trop qu'on utilisait les Noigroom. Trop dur. Ouais. En fait, faut faire super attention à ce qu'on lit. Oh, excuse-moi. Je suis un petit peu crevé, hein. Putain. J'ai fait une petite partie de Rambo 6. Et, bon, j'ai pas mal perdu, hein. Contre des gars qui ont déjà été classés, hein. Putain. Alors, bon, il faut qu'on y aille. Tu es un sacré numéro, toi. Et Mimi en plus, je t'aime bien. Mais tu prends ça pas là, comme ça. Alors, un dos doudou. On va faire balle de glace. Hyper efficace. Super efficace. Pichu. Non, on va pas changer de poké. Waouh. Ah ouais, Mad Punch. C'est normal en fait, Mad Punch c'est une attaque prioritaire.
comme Vive Attack ou Ekaglas. Eklaglas, pardon. Non, on va pas changer de poké. Point de feu. Quelques dalles. Parfait. On l'a eu. C'était moyennement easy, hein. Voyons voir. Oups, c'est fini. Bah ouais, c'est fini. On peut passer par là. Bordel. Fais de ton mieux ou je t'aurai. Ouais, bah si tu veux. Dinabolt. Bon, je pense que ça va bien se passer. Anohydro. Ok. Donc chaque tour va gagner un petit peu de HP. Ah merde. Il va attaquer. Ouh. Manque de bol en fait, balle de glace à chaque tour, hein, je vous rappelle, il va devenir de plus en plus puissant. Pas changer de poké. Ah. Écrasement, pas très efficace. Oh, ça n'affecte pas. Forte paume. C'était une attaque réservée à Ossature et à Auxley, hein. Osseboorang, un truc comme ça. Allez, force paume. Voilà. Parfait, niveau 18. Bon, je vous garantis pas qu'on puisse la battre, hein, Blanche. Hein, parce que je vous rappelle que son meilleur Pokémon est au niveau 20. Et là, j'avoue qu'on est un petit peu à la traîne, hein. Wesh. À un moment j'ai cru qu'on était coincé. Ah là là. Il va falloir qu'on entende là où on était. Ah oh, bordel. T'as le jeu qui nous nique la gueule. Je préfère les Pokémon mignons que les Pokémon forts. J'en ai un mission fonction. Il est mignon et fort à la fois. Donc désolé si je bug un petit peu quand je parle, parce que je suis un petit peu fatigué. Prise la moule. Alors, essayons cage éclair. Je préfère essayer cage éclair. On sait jamais. Comme ça, ils ont un petit pourcentage. Oh putain. Oh putain, ça n'affecte pas. Voilà, donc il y a certes. Enfin, je sais pas combien de pourcents de chances qu'il soit paralysé en fait. Ça bloqué dans une attaque. Très efficace, alors on continue. Donc là, j'ai en train de Florizarre parce que je pense que j'aurai vraiment besoin de lui. Alors, encore un autre pouvoir antique. Dommage que j'ai pas genre Giga Sensu, putain, ça m'aurait vachement aidé. Niveau 18, parfait. Pas scrapin. Bon, j'espère qu'il va être paralysé. Allez, cage éclair. Oh, tu auras ton attaque. Oh putain. Surchauffe. Ah là, j'ai peur. Oh, j'ai peur. Ça va.
Franchement, j'ai un petit peu peur là, sans déconner. Surchauffe, là, c'est une putain d'attaque. Bah, paralysé. Putain, il y a toujours une entrave. Coup de psycho. Ok, on l'a eu. Oh non, 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 non. Bah si, 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 hein. Alors, je vais mettre moi et les câbles en premier. En plus, il y a coup de boule. Attends, je veux quand même un petit peu me rappeler. Coup de boule, pouvoir antique, puissance cachée, et gaffe-foudre. Ok, le mieux, c'est d'utiliser coup de boule. Tu ferais bien de te méfier des filles. Un mystère. Alors, ouais, c'est coup de boule. Ah, brille. Je crois que c'est l'attaque la plus rapide hein, de toutes les attaques prioritaires, il me semble. Mais ça marche pas à chaque fois en fait. Si vous utilisez cette attaque de manière enchaînée, genre abri, il va pas marcher les autres fois. Ah. À la trouille, parfait. Ok, on l'a eu. Chut, c'est moi qui aurais dû me méfier. Bah ouais, t'aurais dû. Alors, ce qu'on va faire là, on va aller au centre Pokémon. Et je vais mettre mon Florizarre en premier. Avec son cage éclair, il peut vachement m'aider. J'allais dire me sauver, pardon, mais oui. Alors. Après, il va falloir capturer Simulabre. Mais je pense que, comme ça a été randomisé, je pense qu'on n'aura pas Simulabre. Mais autre chose. Ah putain, clébard de merde. Ah, c'est maman, il s'est encore. Allô mon poussin, c'est maman, tu vas bien? Aujourd'hui, en allant faire les courses, j'ai trouvé quelque chose qui devrait te plaire. Alors j'ai craqué, j'ai dépensé tes sous, désolé. J'ai confié ton cadeau au livreur, alors passe à la boutique Pokémon ou en centre commercial le plus proche. Donc là, comme on est à Doublonville, ce sera en centre commercial. On ira tout à l'heure, on n'est pas non plus pressé à la seconde près. Ah putain, joystick de merde. Voilà. Alors les gens, on va sauvegarder parce que j'ai eu pas mal de surprises. De mauvaises, pardon. Voilà, ça va être sauvegardé, parfait. Non, non. Ouais, c'est moi, Blanche. Je te connais, non? Tu étais à la tour radio. Tu as vraiment assuré. Tu t'occupes de Pokémon, non? Moi aussi, j'adore les Pokémon. J'adore, je les trouve trop mimi. Quoi? Tu veux te battre? Ok, mais je suis grave forte. Ouais, elle est vachement forte avec son nez crémeux. Qui fait tout le temps des attaques roulades, hein. Waouh, elle danse en plus. Donc ça belette. Bon, j'espère que ça a marché ce cage éclair. Parfait. Tu peux pas attaquer, parfait. Alors je vais faire coup psycho.
croiser les doigts si ça marche. T'es en train de baisser ma capacité spéciale. Ça n'affecte pas. Pokémon de type spectre. Ils sont tous utilisés une potion. Ouais, on l'a eu. Coup critique, super efficace. Dans ta gueule. Ouh, niveau 19. Elle est tech. Ouh. Qu'ils sont en évolution. Hein, quoi, c'est mon dernier? Bon, bah, ça veut rien dire. Exactement. Allez, l'herbe. Enfin, le nœud herbe, il est super efficace sur les Pokémon lourds. Salopard, on va finir par me buter. Donc là, il utilise son B. Le pouvoir antique. Comme Floridia est de type O, ça risque de faire très très mal pour lui. Boum. Moi je pensais que son meilleur Pokémon serait au niveau 20. Ah bah non. Je me suis fourvoyé. C'est ma faute. Blanche. Oui. Non, t'as pas le droit. Allez. Blanche a fait son caprice. Elle s'arrête au bout d'un moment et fait toujours ça quand elle perd. Quoi encore? Hein? Le badge? Désolé, j'avais oublié. Voici le badge plain. C'est ça que tu voulais, hein? Avec ce badge, tu peux utiliser force même en dehors des combats. Et tiens, prends ça aussi. C'était 45. Je crois que c'est roulade. Non, c'est attraction. Bon, on va pas lire parce que vu... vu que ça a été randomisé, je pense pas que ce soit attraction. Ah, c'était pour éclair. Non, je crois pas. Pas sûr. Alors... attends, là on est de combien? On est le mardi. Donc si on est le mardi, est-ce qu'il y a un concours ou c'est demain? Je me rappelle plus. Si c'est demain, j'irai demain. Parce que quand vous faites un concours Pokémon de capture, un petit peu comme au parc Safrania, hein, en fait vous avez un concours et le but est de capturer le meilleur Pokémon. Hein. Le meilleur Pokémon dans le sens où il est super fort et un bon niveau et tout, là vous avez une chance de gagner. Donc ça aussi c'était une nouveauté, hein. On retrouve ça que sur Pokémon Or et Silver et Crystal aussi. Alors je crois que si je me souviens bien, je dois aller à côté de la reine parce que la fleuriste va nous filer un truc intéressant. C'est pour le simulacre. On dit qu'un arbre bizarre se trouve sur la route 36. Il se mettra à danser quand on lui verse de l'eau dessus. Oh, c'est le bâche d'arène de Doublonville. Tu as battu Blanche. Alors je n'ai plus de soucis à me faire. Je peux te prêter ce carapuce à eau. Ou plutôt, je te le donne. Donc ça, ça va être hyper important. Attends. Est-ce que j'ai assez de... Non, j'ai pas assez de Pokéball. Il va falloir que je... Que j'y aille au centre commercial. Et en plus, je dois aussi récupérer le colis de maman. Bah, le voilà. Bonsoir, vous devez être Louis. J'ai reçu un colis pour vous de la part de votre maman. Le voici. Putain, encore des baies. C'est dingue, à quoi ils servent les baies là, sans déconner. T'as dû acheter des potions ou des Pokéballs.
Allez, Pure Ball. Peut-être aussi des super potions. Putain, je suis plus de sous. Il me reste plus que 500 pokés de l'art. Mais bon, j'espère que j'ai bien fait de faire ces avertissements, pardon. J'arrive plus à parler, c'est un truc de malade. Hop, on y est. Attends, c'est pas là où on peut avoir un vélo? Il me semble, hein. Attends. Je crois que c'est celui-là. Non, c'est pas là. En fait, le magasin de vélo a des problèmes au niveau pour... Enfin, il n'arrive pas à attirer des clients, en fait. Et donc là, il va nous demander de faire un petit peu de pub et du coup, il va nous filer le vélo gratos. J'ai ouvert ce magasin ici, mais les bicyclettes ne se vendent pas. Dis-moi, toi, tu pourrais faire de la bicyclette pour me faire de la pub? Ouais. Voilà. Donc ça, c'est plutôt cool. Attendez. Hop. Non. On va enregistrer ça. Non, c'est pas celui-là, c'est celui-là, ok. Oh putain, mais c'est quoi ce délire? Alors, là c'est une nouvelle zone, bien entendu. Tu vas à l'arène? Moi aussi. Tu parles de celle de Dougonville? Je l'ai battu. Ambrilex. Ah. Ok, on l'a dit du premier coup, one shot. Attends, rugissement, t'es sérieuse? Non, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il y a encore? Oh putain, elle a encore acheté des trucs. Alors, je vais mettre mon Voltorb en premier, puis mon Elecub en deuxième. Allez, c'est parti. Non, ça sert pas à combat double. Allez, on s'en fout. Je vais montrer à ma copine que je suis un vrai dur. Franchement, je crois qu'il s'en tape. Hein. Les baloches. Alors, donc Voltorb. On va faire essorage. Hop, je le caresse le visage. Parfait. On l'a eu. Que l'Orient, je pense que ça va être facile aussi, je pense. Putain, ça a été rapide, hein, sans déconner. Mon copain est trop nul, j'ai la super honte. Ah bah tu m'étonnes, hein. Dynavolt. Alors, on va faire encore essorage. Putain, j'ai oublié, les Dynavolt et les Elec Sprint sont super rapides comme Pokémon.
Allez, encore. Balle d'ombre. Ouh. Ça va, presque rien. Ok, coup critique. On a eu du bol. Ah mais attends, Marcel a son déconne. Oh là là mon dieu. Ouais. Bon les gens, on va s'arrêter là. Hein. Mais moi je vais continuer. Je vais tourner encore un autre épisode à la suite. Parce que là ça va prendre plus de 30 minutes, je le sens. Et ce sera pas bon. Allez, merci les gens d'avoir regardé cette vidéo. Mettez un petit pouce bleu si vous avez kiffé. Et on se retrouve pour la prochaine. Allez, ciao tout le monde. À plus.